وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Ne regarde pas la taille du péché que tu fais ou sa classification. Est-ce que c'est un grand péché? Est-ce que c'est un petit péché? Regarde la grandeur de celui à qui tu désobéis. Sache qu'un petit péché fait constamment, il devient un grand péché. Car ne fait un petit péché constamment que celui qui n'a pas de valeur dans son cœur pour le digne. Le fait de ne pas donner de valeur à digne, c'est ça la base des grands péchés. C'est ça la base de la gravité du péché. C'est que tu te dis, c'est pas grave, je peux me permettre de désobéir. C'est ça la gravité, c'est quand tu te dis, c'est pas grave, quand tu te donnes cette permission. C'est ça qui est grave. Par contre, quelqu'un tombe par erreur, par passion. Shaitan, il lui a insufflé, ses passions, elles ont pris le dessus. Il est tombé dans le péché. Après, il regrette. Tout de suite, il se repent, il revient. Ça arrive à tout le monde. Tous, on est des êtres humains manquants. Mais la personne qui dit, c'est pas grave, je peux faire ce péché, c'est rien. Tout le monde le fait. Par rapport aux autres, c'est bien ce que je fais, moi, déjà. C'est là que le danger, il arrive. C'est que tu considères que désobéir à Allah, c'est pas grave. Ah, c'est pas grave. Allah, il t'a créé. Tu es sur sa terre, avec la vie qu'il t'a donnée. Il te surveille, tu vas revenir à lui, tu vas être jugé. Il t'a ordonné et il t'a interdit et toi tu dis c'est pas grave. Ça montre que tu n'as pas de valeur pour ta religion. Tu n'estimes pas Allah à sa juste valeur. Subhanahu wa ta'ala. Donc, serviteur d'Allah, remettons-nous en question et renouvelons le repentir à Allah constamment et souvent et journalièrement. Et même à toutes les heures, et même toutes les minutes. Et ce ne sera pas suffisant. Car Allah accepte le jour le repentir du pécheur de la nuit, et accepte la nuit le repentir du pécheur du jour. Donc revenez à votre Seigneur qui accepte le repentir, qui est miséricordieux, avant qu'il ne soit trop tard. فَنَسْأَلُ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يَتُوبَ عَلَيْنَا جَمِيعًا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا.